King Julian style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 53e épisode sur Cyberpunk 2077 en compagnie de notre cher V. On n'est pas loin de notre dernière petite mission parce qu'il me semble que c'était au sommet de cette petite colline. Je sais pas si en face c'est du gentil ou quoi. Police, activité illégale. Ce que vous faites, hein, si vous n'arrêtez pas, ok. Putain, j'ai sorti mon arme et ça y est, c'est tendu. On va les scanner comme ça. Ricardo Santiago, ok, affiliation aucune. Ouh, c'est tout mignon ce qu'on voit là-bas. Je suis venu ici parce que qu'est-ce qu'on a là? On a, eh bien, nos chers amis, les Aldercaldos, voilà, on va voir s'il y a Panam et compagnie. Je ne sais pas du tout s'ils sont venus déménager ici, mais je pourrais choper aussi des contrats en venant là. Donc on va le faire et on va retourner aller chercher du cyber, enfin du cyber psycho, j'allais dire du cyberpunk, mais pas du tout. Je t'écoute. Nomade, une nomade qui bouge pas, parle-moi des Badlands. Parle-moi des Badlands. Il se passe pas grand-chose ici, non? Au contraire, il suffit juste d'ouvrir les oreilles. T'as rien c'est comme un écosystème. Les nomades, les Rafanchiv, les corpos et les itinérants forment un tout. Retire un élément et tout le reste s'effondre. Je croyais que les nomades étaient tout le temps sur la route. Et toi, tu t'es posé? Ouais. On nous appelle les sédentaires. On est utile aussi. Quelqu'un doit bien s'occuper des gens de passage. Ouais, s'occuper d'eux, en prenant une belle commission. C'est ça. C'est tout? C'est tout, je pensais qu'on aurait vu nos amis. En fait, c'est d'autres Aldercaldos. Et a priori, il n'y a rien d'autre à gauler ou à prendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, madame? Ouais, non, mais c'est moi qui me déplace là, c'est bizarre sur la. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est chelou votre machin là, je vais parler à la petite dame, mais c'est tout ce qu'il me propose. Je pensais qu'on aurait quelque chose de plus que ça, mais bon, je vais pas descendre non plus en bas, ça va me servir à grand chose. Ah, bah écoutez, je suis un peu déçu, je pensais qu'il y aurait Panam et compagnie. Et qu'il y aurait aussi les autres, ou qu'on allait me proposer tout simplement des contrats. Déjà, principalement des contrats, mais. Non, ce serait complètement con. C'est bien le téléphone qui est vide dans les airs. Ouais, donc, bah écoutez, a priori, je peux rien faire de plus avec la petite dame que ce que je lui ai dit. Je t'écoute. Des contrats, bah non, parle-moi des Badlands et tout, on va pas continuer à parler pendant trois plombes. Ah, écoutez, on va repartir. Je vais sortir. Ah, la caisse qui me gêne, quoi. Il est spécial mon pantalon. Ah, ok, bon, on est cassos. On peut rien faire de plus. On va reprendre ça. Et missions annexes, Cyber Psycho. On va faire ça dans l'ordre. On va prendre celui-ci. Ah, quoique déjà je vais voir où il est par rapport à moi. Ah bah il est juste à côté l'hygiène. On va y aller hein. On va y aller comme ça ce sera fait. C'est nickel. Donc j'ai pas de voiture. Mais on va s'en choper une. Je vais prendre... Je vais prendre la mienne, tiens. Ok. Non, enfin, j'en avais fait pas une là-haut. Ils me l'ont fait atterrir en plein dans la... la pseudo-résidence super sécurisée. Sauf que je pouvais pas sortir. Donc, super. Donc, nous, on doit aller là-bas. Je vous avoue que... on va couper par ici. Ok, on a 600 mètres. C'est peut-être dans ce complexe. Non, ça va me faire penser à... Ah non, même pas. Je me demande si là, c'était pas le truc avec la... La ferme. Ah, putain, je suis en train de défoncer ma voiture. C'est de l'autre côté. L'accident et ça les fait flipper. Va voir sur place, mais ne tue personne si tu peux lui. Ça alors. Ok.
Ouais, je peux venir là si tu veux. Bon bah j'irai voir de l'autre côté après, ils me disent d'avancer par ici, je vais y aller hein. Ouais, faut que... du sang. Bon, écoutez, je vais couper directement par là, il y a des traces de sang qui vont là-bas. Ah, merci bien. Je trouve qu'il est planqué là-dedans. Faire gaffe. Ça promet, messieurs dames, c'est un peu tendu là, il reste plus beaucoup de vie. Par contre j'aime beaucoup le gun là comme ceci. On va essayer de se faire avoir. Je sais pas si je peux le laisser un peu en vie. Mais il est à 0% les Gaven, vous déconnez quoi. Ah ouais, il fait mal. Ouais. Je vais essayer de lui sauter dessus moi. Il est mort ou pas là? Ouais, ça a l'air. Crusher, ça a l'air d'être pas mal ça. Ok. Bon, je vais peut-être pouvoir retourner inspecter le reste. Ah, je sais pas s'il y aurait des trucs à gauler là par contre dans le coin. Ouais, aucun pou, machin. Protocole. Ok, bon, s'il n'y a rien à looter, les jeunes, on va retourner inspecter là-bas.
peut-être ranger ça avant qu'on me dise que je suis en train de procéder à une activité non tolérée et criminelle. Ok. Alors déjà, il y aurait des trucs à gauler. Avec du chewing-gum. Il y avait la caisse, là. Voilà, merci bien. Fouiller, lire l'éclat. Ok, j'ai un éclat à lire. Aucun pot, machin. Mutilation. Je sais pas s'il y aurait d'autres trucs à gauler. Donc je vais lire l'éclat et je vais voir si je peux repartir avec le camion. Ah, donc l'inventaire. Les éclats. Attends, je sais pas lequel je dois lire. Lire un machin. Shiva the Win. Ok, forcément, il est tout en bas, donc il est ici. C'est complètement inutile, il nous dira rien, et l'odeur de tout ce sang me file la gerbe. Eh bien, faisons-en bon usage. Tant qu'il respire encore, on va aller faire un tour, il nous aidera avec l'équipement. Il paraît que les Aldecaldos peuvent trouver de l'eau, et même des nappes profondes. C'est comme une baguette de sourcier sur pâte, tu vois. Enfin, c'est ce qu'ils disent, en tout cas. Mais on pourrait vérifier ça. Ah, je suis désolé, il y a un camtar qui passe dehors. Alors, on l'attache sur le capot de la caisse pour qu'il nous indique où creuser. En quelque sorte, mais c'est lui qui creusera. Ça évitera qu'il nous fasse un sale coup. Bonne idée. Allez, prends le poumard, on y va. Ok. Ok, messieurs, dames, ça c'est fait. On va monter dans le camtar, on va partir avec. Je vais juste couper la radio avant. Aucune station. Merci. Ah, donc. Ah, le prochain quête. Merci bien. Mais ça, c'est toujours pas fini. Est-ce que machin a consulté le message de Regina au sujet du. Ok. Ok, ok. Personnage, inventaire. Non, j'ai pas accès par ici à mon. On va sortir par là. Ah, donc message. Message, message, message. Elle est où, Regina? Là. Dans le désert. Ah, pourtant que je sache, personne n'a revendiqué la responsabilité de ce bordel, même si les caisses appartiennent clairement aux Raffen et que c'est leur territoire. Aucun signe de violence extérieure, alors l'attaque devait venir de l'intérieur. Un des Raffen a dû craquer et un de leurs prisonniers a tenté de se faire la belle. Dans tous les cas, c'est trop calme et personne n'a l'air de s'en faire. Ça ne me dit rien de bon, garde les optiques bien ouvertes. T'avais raison, c'était un prisonnier qui était devenu cyberpsycho et qui avait réussi à s'échapper bizarrement. C'était un pote Aldecaldo d'un prisonnier que j'avais sauvé du même groupe. J'ai pu le neutraliser en douceur. Ah ouais, c'est chaud, on le connaissait. J'ai pas fait gaffe. Et ben voilà qui est inattendu. Je transmettrai l'info à Dakota. Il vaut mieux que la famille prenne le relais. Plus vite il rentrera en terrain connu, plus vite il retrouvera un semblant de normalité. Sol était un pion trop précieux, alors ils ont dû vouloir soutirer un maximum d'infos utiles à ce pauvre gars sous les yeux de Sol. En espérant le faire craquer, ils ont fini par l'emmener dans une de leurs virées dans le désert, histoire de les séparer. Et c'est là que ça a dégénéré, il t'a sûrement pris pour l'un des leurs. C'est une bonne chose que tu aies pu le sauver. Il me semble que je l'ai... Ouais, je l'ai peut-être pas tué. Je sais pas. Je suis pas allé... On va peut-être pas aller vérifier non plus. J'ai pas fait gaffe si c'était... Peut-être qu'on connaissait. En tout cas, ça c'est réglé. Je vais peut-être revenir ici, ce serait bien. Contrat. Contrat, les jeunes. Je vais faire ça. Apporter la tête de Gustavo Horta. On va faire ça dans l'ordre. Missions annexes, machin et tout, on verra ça après. Psycho killer. Ah bon, bah c'est celle qu'on est en train de faire.
Danger bas. C'est quoi ça? C'est appelé Brigitte. Faudra peut-être qu'on ait un T4, mais j'ai peur que ce soit les dernières missions pour la trame principale. Donc je préfère encore attendre un petit peu. Cyberpsycho repéré sous le pont. On va faire ça après. Je vais peut-être voir d'ailleurs où elle se situe. C'est pas non plus hyper loin. Attendez, les jeunes. Et l'autre. Ah, c'est celle-là. Je sais pas si elle... Ouais, elle sera encore. Bah, je vais faire quand même celle-ci. Et après, on ira... l'autre, elle est dans le coin par là. Voilà, donc, on va essayer de s'y rendre. Et puis, c'est parti, hein. Ok, petite marche arrière. Mission accomplie, merci la police. Ok, mur, on a 100 mètres. Par contre, le camion, même s'il monte à 111, je prendrai plus ça parce que c'est juste une tannée. Je vais me garer ici pour pas gêner. Ouais, sortir. Merci bien, l'ami. Ah, ok, donc moi, il faut que j'aille ici. J'ai reçu des sous, ok. C'est pas du tout ce que ça a donné à Casso sans être mangé. Ah, W. Ok, Sangelino Valentinos. Ok, bon, on va y aller discrètement. Ok, ah, si je peux passer par ici. Ah, ce serait pas une carte de tarot qui me manquerait, ça. Je sais même pas si on était déjà venu la scanner. Mais ça aurait pu, hein. Franchement, dès que je vois un graffiti, bon, là, de toute façon, j'ai pas d'interaction, donc c'est que c'est peut-être pas ça. Valentino, allez, vas-y, appartement. J'espère que ça va bien se passer. Tiens, on va peut-être ramasser ça. Gentil ça ou pas? Ouais, c'est du civil. Ok. Est-ce que je peux passer par là? Ok, merci bien les jeunes. Avec des sous. Putain, j'ai pas assez de force les jeunes. On va sonner. C'est qui? Je dois voir Gustavo. Dois voir Gustavo. Qui ça? Je crois que tu te trompes d'adresse. Dois voir Gustavo. Qui ça? Je crois que tu te trompes d'adresse. Dois voir Gustavo. Qui ça? Je crois que tu te trompes d'adresse. Ok, les jeunes. Est-ce que il n'y a pas un autre passage quelque part? Si je peux pas accéder à l'appartement. Non mais je vais pas pouvoir faire autre chose. Attends, vous êtes sérieux les jeunes? Je peux même pas passer par ici. Ou alors faut que j'attende qu'ils sortent. C'est j'ai même pas moyen de hacker, de craquer ou. Je dois voir Gustavo. Qui ça? Je crois que tu te trompes d'adresse. Vous êtes sérieux les jeunes? Personnage. Force, vous êtes sérieux ou quoi? J'aurais jamais assez de points. Sachant qu'on m'a dit de... Bah, en intelligence, je suis à 13. Donc on m'a dit de l'augmenter, de passer, je crois, à 11. Histoire 2. Alors, à moins qu'il soit trempé et que ce soit avec le symbole yin-yang. Parce qu'il m'a... L'intelligence, et après, il m'a parlé d'intelligence. Mais je crois qu'il m'avait parlé du signe yin-yang. Alors, faudra que j'augmente ça, sinon dans ce cas-là. Mais là, ta constitution, pour monter à 17 en force. Accroche-toi, les jeunes, j'aurai jamais les points. Ouais, forcé. Putain, j'aurai jamais les points. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'arriverai jamais à. Même si je me remets un point là.
Ça va pas servir à grand chose. Sachant que j'ai 2 points à déposer. Inflige 15% de dégâts supplémentaires aux ennemis humains. Vous permet de lancer des couteaux maintenant pour viser, appuyer pour lancer. Et ça pourrait être pas mal, je vais le prendre. Augmente vos chances de coups critiques de 15% quand vous êtes furtif. Augmente votre vitesse de déplacement. Impitoyable. J'aurais quoi? J'ai rien du tout. À part vaincu un ennemi, active impitoyablement pendant 10 secondes et augmente la vitesse de déplacement. Ok. Augmente toutes vos résistances. 2,5 par charge d'impitoyable. Augmente la durée d'impitoyable. Ah, je l'ai mis qu'au niveau 1, donc bon, voilà quoi. Je ferais peut-être passer niveau 2. Je pourrais peut-être passer niveau 2, ouais, mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a un petit peu ailleurs aussi. Arme de poing, lame. Avec les lames. Je sais pas si les lames mantis, ça les prend aussi en compte, mais bon. Et là, j'ai rien mis. Réduit le temps de recharge des pistolets revolver. Augmente les chances d'infliger un coup critique. Augmente les dégâts des pistolets revolver. Ce serait peut-être pas mal. Voilà. Par contre, bon, je suis un peu bloqué. J'ai plus de points, j'ai plus rien du tout. Et là, ça me gonfle un peu. Et si je trouve pas d'autres moyens de rentrer dans l'immeuble ou quoi, ok, je sais pas si je pourrais le scanner ou tirer. On peut faire ça comme ça. Ah oui, il s'énerve, hein. Est mort. Ah si. Je peux tout faire. Il y a du monde qui a alerté derrière. Hein. Ah bah ça y est, voilà. Voilà, ça veut bien sortir. Je sais pas si c'est Gustavo là. Non. Ah merde, la porte elle s'est refermée. Ah ouais, le bad. Je vais pas sortir les jeunes. Merde, putain, j'aurais dû rentrer. Et ah bah là, je crois que je l'ai tué au final. Ah, je vais ressonner, hein. Écoutez, je vais attendre qu'il y en ait un qui ressorte. Ok. Peut-être prendre ça. Planqué ici. Il y a pas mal de people.
dans les jeunes. Mode amical. Surchauffage. On va monter ici. Déjà au moins je suis rentré. On va choper ça. Ah, petite dame, je peux pas te pirater. Effacement de la mémoire. Toi, je te court-circuite. Et l'autre là-bas, ça a pas l'air de vouloir. Ah, ça c'est fait. Voilà, prendre les sous. Voilà, merci bien. Partir là-dessus. Sortir mes lames. Ah, merci bien. Ouais, merci pour tout le cash. Je m'occuperai de pirater les PC après là. Ouais, je suis trop lourd, nickel. Faut que je rentre tant que la porte se ferme, merci. Ah bah écoutez, je crois que ça y est, je l'ai découpé, je peux quitter l'immeuble. Moi je vais fouiller tout ça et récupérer ce qui traîne encore. Merci bien les jeunes. Je sais même pas ce que je prends, mais je le prends. Je vais aller me pirater ça également, se connecter. Ouais, bon, je peux peut-être déjà l'utiliser comme ça, je lis les messages. Ouais, réseau local. Ah, système hors ligne, merci bien. Et là maintenant... Non, non, non. Ouais, si. C'est bon, je me connecte. Ah, ok. Donc déjà, je veux un FFE. Un. Je vais pas avoir FF, là. Enfin, je vais avoir FF, mais je vais pas avoir E9 après sur ma ligne. Parce que je vais repartir dans ce sens. Ça me plaît pas du tout. ZA. BD. Un C, FF, E9. Ouais, ok, j'aurais au moins eu le dernier et le premier, c'est cool. Ok, piratage rapide, légendaire, machin et compagnie. Ça, c'est bon. Ah, bah écoutez, je vais finir de faire un petit tour. Ah, il y a un truc là. Ah, bah, j'aurais pu passer par dehors. Hein. Ah, 5, 5. BD, BD. Ok, nickel, je les ai tous eus. Ouais, je vois pas par où j'aurais pu passer pour atterrir ici. Mais il y avait un balcon. Donc. C'est bien de vouloir quitter le secteur, mais j'aimerais bien finir de fouiller moi d'abord. Ok, mur, je viens de réussir un nouveau petit piratage. Je suis remonté en haut pour fouiller le bureau là. Il reste un ordi à pirater. Je sais pas où c'est là, mais on dirait un sac mortuaire ou un lit ou je sais pas quoi, où il y a un patient. Donc j'ai tout pris, faut que je quitte l'immeuble, mais j'aimerais bien m'occuper de celui-ci d'abord.
Ouais, utiliser. Bon, a priori, je peux juste lire des messages. Ah, ok, bon, bah tant pis, je pensais que je pourrais peut-être aussi le pirater, mais c'est pas le cas. A priori, il y aurait rien d'autre à gauler dans le coin. Ah, bah écoute, on est reparti, hein. Ok, mur. Ouais, répondre. Ceux qui rendent justice le font au nom de notre Seigneur. C'était de bon boulot, frère. Je sais que c'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que j'applaudis ta décision aujourd'hui. Le contrat est bouclé. Ah, je me tâte à leur prendre. J'ai peut-être prendre la voiture violette là. Et on va repartir. Je vais désactiver la radio par contre. Ouais, la musique avait l'air fort sympathique, mais voilà. Donc, prochain objectif. Un petit journal de quête, s'il vous plaît. Donc, il y aurait celui-ci qui est pas hyper loin. Qui est pas hyper loin, mais on va se taper une bonne petite trotte quand même. Donc, c'est parti, je vais me rendre sur place. Et puis, bah voilà, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de circulation en moins, histoire que je puisse passer. Et on se retrouve directement sur place. Ok, les murs, on est à 5, moins de 600 mètres maintenant. On va s'avancer dans la direction de notre cible. Je sais pas du tout si on va avoir le droit à un timbré comme l'autre avant. Ou s'il va être docile. Je sais pas si on va réussir à faire en sorte qu'il reste en vie ou non. Neutraliser la menace. Donc ouais, à mon avis, c'est qu'il est hostile. Donc si je peux l'exécuter de loin, bah écoutez, c'est pas plus mal. 100 mètres. Je vais peut-être m'arrêter doucement. M'arrêter là dans le coin. Sortir. Avant d'y aller, on va essayer d'observer les lieux. A priori. Je sais pas si c'est cette personne. Court-circuit déjà pour commencer. Et je vais bouger de là. La cible est en mouvement. Ah, bouge pas, man. Je sais pas si ça shoot là à travers. Il y a plus beaucoup de vie, hein. Ok. La petite tourelle, mode amical. Ah ouais, c'est une grosse tourelle même. Interaction, éclat. Couronne, nouvelle tenue. Aucune réaction, pas de poux, perte de sang causée. Par de multitudes lacérations un peu profondes. Ok. Là, ça va être pareil. Là, je vais récupérer tout ça. J'ai aussi démantelé des armes histoire d'être allégé. Là, comme ça on est bon. Là c'est en mode amical. Donc bah, écoutez, je vais finir de fouiller les lieux. Et on va aller choper nos petits indices. On a les trucs, s'ils sont planqués en dessous, je vais les prendre comment? Vous êtes sérieux ou quoi, les jeunes? Les items, ils sont à limite carrément dans le sol. Non, me fais pas faire un saut. Et là, je peux pas les prendre. Je peux pas les prendre, ça va pas m'aider. Ça, je vais le prendre. Ça également. Ouais, toujours, je crois qu'il y a eu du cash. Bon, ça, c'est bugué. Il y a quoi de... Ouais, nu. Ok, merci chef. Et toi t'es Valentinos encore, Talama, Cosby. Ah c'est. J'ai dû taper d'autres Valentinos quoi, c'est Ils sont complètement jetés dans leur gang. Ok, l'éclat. Ils sont tout seuls. Damara, salut Tony, tu peux m'envoyer plus de cam STP, IA. Je me suis endormi. Ma baignoire, j'ai dû me geler. Les doigts parce que je sens plus rien. J'ai scanné tous les repères des Valentinos.
et je le trouve toujours nulle part. On dirait qu'il a disparu dans la nature, pas de traces numériques, rien. Etc, etc. Ok. Ah, petit scan alentour, il n'y a plus rien à prendre. Ainsi peut-être là-bas. Non, là, faut juste aller observer à... Ah, ok. Bah écoutez, si c'est bon, consultez le message de Regina. Message de Regina, ouvrir les messages, tab. Ah, qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Regina Jones. Là. Ouais, vous rigolez ou quoi? Si, là. Ah, si c'est un cyberpsycho, c'est vraiment bizarre. Peut-être un netrunner. On peut pas éliminer l'hypothèse d'une attaque à distance. Mais bon, pourquoi il s'intéresserait à un camp de Clodo? Darioro, il y a un truc qui cloche. On va voir ce qui se passe. Le psycho était un jeune runner. Il a dû faire une overdose et sortir au dernier moment. Par peur de pourrir tout seul chez elle. Un des Clodo du camp l'a recueilli. Mais quand elle est revenue à elle... Elle avait plus toute sa tête, elle a dû penser qu'on l'avait kidnappée, ou peut-être qu'elle pensait plus rien du tout. En tout cas, elle attend ton traitement mystère. Je sais même pas si elle est encore en life, mais bon, c'est pas grave. Parce que là, ça bouge plus. Là, pareil, d'ailleurs, il y aura un truc à prendre ici, un petit hot dog. Je sais pas si c'est un hot dog végétarien, là, il y a un autre éclat, on va le prendre. Ça ne va pas être facile de la réparer. De réparer le trauma qu'elle a vécu, mais je suis contente que tu ne l'aies pas tuée. Avec le bon traitement, elle arrivera peut-être à s'en sortir. Ok, fermé. Bon, bah, a priori, on l'a pas... on l'a pas toute. Par contre, ça, ça me chagrine toujours. Ok, je peux pas le prendre. Bon, en même temps, ça a pas l'air d'être des plus rares. Donc voilà, par contre, ouais, je sais pas où elle est ma petite cible. Je sais pas si c'est elle. Parce que là, ouais, Tamara. Par contre, t'as pas la tête d'un... Un peu la tête d'un garçon. Bon, elle est encore en vie, donc comme ça, au moins c'est fait. On ne l'a pas exécuté, donc... ouais, là, il y aura encore du people. Putain, il y a du monde là-bas. Ah, il y a du people. Redémarrage optique. Effacement de la mémoire. Et court-circuit. Pas de justice, pas de pitié. Ouais. Ok, petite exécution discrète, pardon. Ça y est, je suis relourd. Il y a des trucs à fouiller dans le coin. A priori, j'aurais peut-être tout pris. Nouvel objet, ok, merci bien. Ah, bah écoutez, ça c'est fait, hein. On est cassos. Je vais aller voir ma prochaine cible. Celle-là, ouais, bon, bah, ça c'est Sandra, hein, forcément. Ah, donc là, par contre, danger très élevé. La collection privée du seigneur Ladrillo. Voler des données sur un ordinateur. Dicky Twister, angle de Congress et de Parajo Street, machin et tout, compagnie. Bah écoutez, on va quand même la tenter. Là, les véhicules, je vais fermer. Ce qui est terminé aussi. Et les contrats, bah écoutez, les contrats, j'en ai des contrats ou... Bah ouais, c'est ce qu'on est en train de faire, les jeunes. Donc on va laisser ça ouvert et après on repassera là-dessus plus tard. Donc ouais, j'ai même pas vu où c'était. Niveau supérieur. Ouais, bon, j'ai toujours un point, mais après pour le reste, c'est pas ça du tout. Donc bah écoutez, Casos Bamos. Et je vais essayer de retrouver ma petite voiture, ce serait pas mal. Je vais aussi démanteler pas mal de trucs là. Ce serait aussi fort aimable de pouvoir marcher correctement. Ok, les murs, on est à 425 mètres. Je sais pas du tout s'il va falloir s'infiltrer dans un bâtiment ou quoi, ou qu'est-ce. Un Med Center, ok. Je sais pas si, ouais, si c'est après. Non, j'ai l'impression que c'est le quartier où on était juste avant, quoi. Il y a la police qui a des misères aussi là dans le coin.
Et nous, faut qu'on continue par ici. On va gentiment retourner par là. Ok. Donc un Tiki Twister. Ok, infiltration en vue. Va falloir que j'essaie de pirater le système. Non, il faut que j'infiltre le Tiki Twister. On va essayer de passer derrière surtout. Ok, je pense que je vais me garer ici. Je suppose que juste là. Ah, passez pas devant les jeunes. Ok, c'est une civile. Ok, infiltration. Double porte. Ok, putain, il me faudrait 18 points pour l'ouvrir. C'est pire que la porte d'avant. Il y a un système de caméra là. Faut que je fasse gaffe s'il n'y a pas un système de surveillance à l'intérieur. Je peux pas passer par ici non plus. Je vais continuer à escalader, hein. On va bien voir s'il n'y a pas une entrée au-dessus. J'ai pas l'impression d'être en plus super léger là. Déjà, il n'y a personne sur le toit, ce qui est une bonne chose. Là, je serai au-dessus du bar même. Et je sais pas si je peux genre péter une vitre. Bah sinon je vais rentrer par la grande porte les jeunes, hein. Si j'ai pas le choix. Si j'ai pas le choix, c'est ce que je vais faire. Ok, je vais quand même essayer de faire le tour par là. Pour voir s'il n'y a pas une autre entrée. Je suis posé en bas. Je sais pas s'il y aurait une fenêtre qui me laisserait potentiellement pénétrer dans le bâtiment. Peut-être par là. C'est 18 capacité technique les jeunes, vous déconnez quoi. Ouais, 18 et je suis à combien? Ouais, je suis à 12. Ouais. Ça promet. Ok, il y a du drogue dans le coin. Acheter quoi? Le véhicule? C'est cette moto qu'il faut acheter? Enfin, je veux pas, hein. Ah, ok, on va essayer de s'infiltrer par la grande porte. Je vais déjà sauvegarder. Ce qui semblerait être une bonne chose. Et je vais y aller après. Ok, petite sauvegarde effectuée. On va essayer de rentrer et de montrer patte blanche. Bonjour tout le monde. Excusez-moi monsieur. Je peux même pas prendre la bouteille. On paye à l'entrée. Je peux parler, je vais prendre la bouteille. T'es là pour affaire. Vous êtes relou. Ah, je viens réparer la sono. Tiens. Ouais, je viens réparer la sono. Ouais, sauf que je viens réparer la sono. Les caissons de basse intégrées font trembler les murs. T'es pas sur la liste. Vas-y, appelle ton patron pour vérifier si tu veux. Mais je te préviens, je suis payé à l'heure. Alors tu lui fais perdre des édiles. Ok, c'est bon. Vas-y. Ok, merci les jeunes. Allez au bureau. T'aurais pas dû faire ça. Je sais pas si je peux monter. Ah non, je crois que... Le fait d'être monté à... Je vais te rendre amical. Distraire les ennemis, non. Je sais pas s'il y a un autre système de surveillance. Ah, parfait. Ça a évité que je me fasse avoir. Oui. Ah bonjour, sauf que c'est la bouteille qui m'intéresse.
Youhou, je fais la fête, je monte sur le bar. Youhou, je monte encore plus haut. Ouais, donnez-moi ça là. Ah, merci bien. Il y a plein de zoulailles là. On va choper des hémorroïdes à rester assis comme ça. Ouais, je veux monter moi. Non mais t'es gentil normalement la caméra. Bon, je vais peut-être arrêter de faire n'importe quoi. Non mais c'est une blague. Et je reviendrai après. Moi, faut que je passe ici. Ouais, madame Ical. Madame Ical. Tu fais quoi là? Si tu veux mettre tes doigts dans un trou, cure-toi le nez. Mes enterrements de vie de garçon, c'est l'horreur. Vous êtes sérieux les jeunes? Ah, je vais passer ici. Ça se trouve, c'est la porte de tout à l'heure. Luego, ¿dónde estás? Ah, ok. Briser la chaîne. J'ai pas le choix, ma petite âme. Ah merde. Ah, faut que je ramasse ça au plus vite. Ah t'as faim. Ah merde. Ah merde. Merde les jeunes. Je vais la larguer ici. Je sais pas s'il y avait un endroit en haut pour planquer le corps. Ok, lancer une surcharge. Ok. Bon, ça craint un peu du boudin. Ouais. Ah, ok. 1C. 7A. BD. Et après, BD, 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 si je vais ici. Je peux aller là. 55. Et re-55. Et j'ai pas eu le premier, mais on s'en fout. Ok, merci les jeunes. Oh, ils sont pas en mode ami les trucs là, vous déconnez ou quoi? Putain, ça dure pas éternellement en plus. Ok, donc aller au bureau de machin et tout. Je sais pas où il est son bureau, se trouve. En plus il est en haut, il faut que je prenne l'escalier là-bas. La caméra là, elle est plus gentille du tout. Effacement de la mémoire, tu me reconnais plus. La caméra. Ouais. 55. 9. Merci. Ok, là c'est fermé, ils sont dans la salle. J'aurais mieux fait de pas passer ici dans ce cas-là. Là, ça me ramène dehors là. Tout en douceur. Moi, je suis gentil, je te tue pas. Ok. Ah bah lui, il est coincé. Ah, il est pas mort non plus, c'est marrant, il est coincé.
Ah, une dans le cul. Merci, c'est bon, t'es mort. Ah, je peux te fouiller ou pas maintenant? Merci. Tu me donnerais ton arme aussi? Ah, ça va être compliqué, les gènes. À moins que je te coupe le bras. Mais peut-être que maintenant je peux prendre l'arme. Ah, non, ça veut pas. Ok, au pire des cas, je repasserai plus tard. J'ai peut-être rangé ça. Merci bien. Et donc le bureau. Solo Valentinos. Ah, votre bureau, c'est par où les jeunes là? Ah, le bureau, il est là. Non, mais c'est pas là, le bureau. Ah, ils se foutent de WAM. Ok, l'ordi, je peux même pas m'en servir. Putain, c'est un truc de fou finou, quoi. Je vais y passer toute la nuit. Solo Valentinos. Solo Valentinos. On n'est pas des plus discrets maintenant, les jeunes. Mais Ok. Il a fini par périr tout seul. Bon, par contre, toi, je pige pas où il est planqué son bureau. C'est un truc de fou, finon. Là, je peux pas ouvrir. Ils me disent de prendre l'autre porte. Non, je veux bien prendre l'autre porte, mais je vais pas en prendre 30 000 non plus des portes. En plus, là, je suis dans la salle de... Ah non, bah, je suis arrivé, ça y est. Ok. Ah bon, c'est du verre blindé. Ok, les jeunes. Bon, on n'a pas été des plus discrets. Utiliser, hop, on va lire tout ça, comme ça, c'est fait. Le réseau, on va le désactiver, merci bien. On va ressortir de là. Mais je m'en fous de ça. Non, mais... Si j'appuie sur F, c'est pour voler les données. Surtout si j'appuie sur un bref instant, c'est pas pour rien. Hein. Ok, les jeunes. Ah, utiliser. Par contre, c'est marrant, c'est que là, il me laisse afficher à 2. Alors que, bon, ça, je m'en fous des caméras. Ah, ouais, appareil connecté, machin et compagnie. Je sais pas pourquoi ça reste affiché sur 2. Au pire des cas, je vais venir là, hein. Mes réseaux, les jeunes, désactivés, hors ligne. Bref, allez, c'est parti. Je peux ressortir, il y aura un truc à fouiller par là, on va y aller. Et puis, on va quitter les lieux comme on est venu. Hop, 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 je peux peut-être même... Ouais, je peux m'embêter, je peux sortir par là. Enfin, je serais bien sorti par derrière, les jeunes. Mais a priori, il faut que je passe là. Donc, sortir du Dicky Twister. Oh non! Oh, la blague! Ah, ok. Donc, ils m'ont remis au checkpoint. Je suis ici. On va essayer de retourner direct au bureau. Attends. Attends, je te court-circuite. Mais t'es sérieux? Merci bien, l'hygiène. Mode amical. Ah, je peux pas, l'hygiène. Un C, j'ai pas un C là. Un C, 55, hop. Ah bah c'est bon, je suis arrivé au bureau.
Ah ouais, en fait, Ouais, putain, j'ai plus de points. Peut-être prendre ça. Ah ouais, là, ça pique. Vas-y, passe sur un. Voilà. Parce que marrant, tout à l'heure mon gun passait pas, mais là ça passe tranquillou. Ok, on va reprendre tout ça. Je vais re-repirater son machin. On va voler des données. Faire une petite dose de soin après. Ah, merci bien. On va utiliser. Ah, on va retourner voir tout ça. Hop, réseau. Désactiver. Retour. Non, c'est, je peux pas faire retour là. Prise en charge, non, je m'en fous. Hop. Attends, il y avait deux, maintenant il y a un. Ah, tout ça c'est fait. Peut-être repartir là-dessus. On va bien s'alourdir. Bah écoutez, on se retrouve quand on est dehors. Je vais aller fouiller tout ce petit monde. Il y aura un autre garde dans le coin. Donc on va faire gaffe que je me refasse pas trucider comme il y a deux secondes. Et il serait potentiellement là. Et il va sûrement se pointer. Ah, merci bien. Bon, là, a priori, je suis tranquille. Ah, donc moi, je vais fouiller les lieux. Et on se retrouve dehors. Ok, les murs, j'ai fini de tout fouiller, a priori, sauf ça, là-bas. Et j'ai le type de l'accueil. Qui est derrière sa petite porte. Ah, il faudrait pas que je meure. Ah, merci, chef. On t'a dit, on est le gars de la sono. Bon, il y a un document que j'ai pas pu choper. Je sais pas pourquoi, il était bugué au-dessus de l'armoire. Mais en tout cas, c'est bon, tout le reste, on l'a pris. Bah écoutez, voilà. J'ai envie de dire, on va se quitter ici. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Si t'as le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Je préfère vérifier qu'il n'y ait pas un garde à l'entrée, parce que ça aurait été fort dommage. Et si vous voulez pas louper eh bien, la suite de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Moi, je vais me décharger les poches. Je vais repartir et on se retrouvera prochainement pour la suite de nos petites aventures. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde et surveillez bien. Quelqu'un, enlève le doigt.
Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.